Et rebonjour à tous, ici c'est bienvenue pour cette partie 28, oulala, ça y est, 18, ça sera peut-être mieux, partie 18 du Let's Play de Partnering Time. Alors la dernière fois, on s'en était arrêté dans le menu, voilà, parce que je tournais les deux quasiment à la suite, parce que donc entre temps j'ai mangé, mais bon. Donc j'en étais resté au village des Toads, après m'être échappé du vaisseau, enfin échappé. Surtout une découverte de rien du tout, c'est ce que j'ai envie de dire. Et les mecs, qu'est-ce que vous avez découvert dans les vaisseaux des Empires? Rien du tout. Mais c'est génial! J'ai le droit de venir moi aussi? Eh merde, il y en avait un. On recommence? Try again. Alors mon objectif c'est déjà surtout de finir cette partie du village. Alors là-bas il y a une maison, alors je sais pas si on a accès. Ouais, on n'a pas accès. Il y a juste des ennemis. Et on se fait agresser. Bon bah allez. On va tenter la fleur glaciale. Ça va peut-être pas faire beaucoup de dégâts mais... C'est pas génial. Hein. Et la fleur de feu? Bon, c'est guère mieux. Bon, bref. Oh non. Je déteste cette sphère. Ouais. Allez, on va faire un petit fracasseur. Ça fait quand même déjà beaucoup plus de dégâts que la fleur en elle-même. Ça fait carrément le double. Oh, un flarque là-dedans. C'est pas un truc que j'aurais jamais utilisé. Hein. Il me semble que j'arrivais pas mieux dans la première partie. Une dish. Voilà. Alors, nous voilà à côté des babies. Donc, on a enfin libéré toute la ville, on va dire. Bon, alors, peut-être les babies. Voilà. C'est du côté grand qu'il faut. Alors. Raté. Voilà. Et on ouvre la porte. On ouvre la porte. On espère que cette porte, je crois. Cette porte. Ah bah oui, d'accord. Bon, alors moi, là c'est clair, on ne pourra pas passer autrement qu'avec les bébés pour aller là-bas. Non. Qu'est-ce que c'est? Non! Voilà. Donc voilà, maintenant on a un accès vers la civilisation, on va dire. Et visiteur de la colline. Étoile entre la pluie bleue, office de tourisme. Bon, d'abord, on va peut-être une petite sauvegarde. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas fait ma sauvegarde de sécurité. Bon, j'espère que ça va pas planter. Hein. De toute façon, maintenant, j'utilise les safe states, donc.
En cas de problème, je me fie au safe state, je peux revenir en arrière. Y a pas de problème. Allez, on revient dans les combats. Ouh là là, que ça lag. Alors, donc maintenant on peut faire bah, d'autres trucs. Maintenant on peut faire les trampolines. Ouh là que ça lag. Eh merde. Il y a vachement de lags maintenant depuis ceci. Non mais vas-y, c'est la fête. Ça gêne du plus de vie, t'inquiète. Allez, le ch... non, le champ, c'est pas... Bon, les fracasseurs. Tenons-nous... Alors, je vais juste... On va essayer de voir la différence entre... shoot normal et un shoot avec bébé. Bon, à suivre dans le prochain épisode. Aïe. Ouh là 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 là. Biatch. Alors je disais, le tir normal et le tir avec bébé. Ah 18 quand même, ça fait un petit peu plus. Fleur clonée, merci, un truc que je mange, je ne me servirai quasiment jamais. Vas-y, dans un mois, tu peux. Hein. Disons que je vais me séparer de certains trucs que je vais plus utiliser, les canons par exemple. Disons que les canons c'est rien de plus qu'un. C'est un trampoline. Voilà, c'est un soubassement de trampoline quoi. Niveau défensif, on s'en passera. Ouh, vitesse par contre, là on a quoi gagner? Alors ce qui est bien au moins c'est que les 6 XP de différence entre Luigi et Mario, ils nous font plus chier, quasiment. En même temps on gagne tellement d'XP que c'est rare que Luigi ne XP pas en même temps que Mario. Non, toujours pas assez. Qu'est-ce qui serait... Ouh là là, PV! La défense, d'accord, et moustache. Oh la rigueur, je vais faire pas mal d'achats, donc... et puis le PV, je pourrais toujours les augmenter avec des badges. Ou des habits comme j'ai fait. Voilà, l'anti-Kirby. Enfin, je n'ai toujours pas vérifié si c'était vraiment l'anti-Kirby. Comment il s'appelle en fait? J'ai la tête depuis tout à l'heure et je n'ai pas pensé à vérifier son nom en fait. Comment il s'appelle? Bulle d'amour. Allez, valeur sûre. Oui. Ah oui, il y a une différence quand même. Bon, on prend pour avoir des réflexes. C'est plus long par contre. Oh non, mais vas-y, c'est Noël. Non mais j'étais bon. Oh non mais vas-y, je pense régénérer. C'est Noël. Et merde. D'accord, il y en a. Alors attends. Voilà, ça devrait suffire.
41 maintenant? Eh merde, je pensais être bon, mais. D'accord. Oh là là. Putain, il y a une vraie différence maintenant entre les grands et les petits, hein, ça se voit. Et les petits, ils ont pas XP, hein. Enfin, c'est le genre de truc que j'aime pas, c'est qu'après il y a des décalages de psycho-banane. Donc c'est champi, champi, pièce. Ah, il y a un truc caché? Il semble avoir un truc caché, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose. C'est juste une fève. Oui, c'est une fève et un. Ouh, plein de pièces! Mais goûte là! Il y a une autre maison ou c'est juste le décor? Non, c'est le décor. J'aime bien, c'est qu'ils font apparaître des maisons sur le truc, mais. Ça fout totalement de les faire apparaître. Allez, on refuse jamais de l'XP, surtout quand les boss qui vont suivre sont des plus chiants du jeu. Enfin, sachant que vu comme j'ai battu Madame Fomp, c'est juste que j'XP bien et. À mon avis, je pense que j'arriverai pas. On se fait un délire carapace rouge. Et voilà. Bon, bah, je m'en suis fait un déjà, c'est pas mal. Alors, vous voyez, en fait, au début, je fais avec le babies. Mais après, j'arrête rapidement parce que, disons, ça utilise beaucoup de ma concentration un bout en plus. Voilà, très bien. Alors là, rends-moi ma carapace rouge, ou même deux, c'est un fou. Bon, une, c'est déjà pas mal. Toujours pas l'XP des bébés. En plus, ils ont l'XP un petit moment, c'est vrai. Donc j'y pense. Bon, on va voir un petit peu si ça s'est égalisé. Ouais, ça va, y a pire comme écart. Hein. Là, il y a juste 800. Ouais, puissant, c'est pas énorme. Je m'attendais à pire. Ah ben voilà, non. Une bulle d'amour. Biatch. Biatch. Et il peut pas attaquer ses copains? Allez, on va faire un trempeau. Putain, ça lag. Oh putain! Oh, j'ai jamais fait un score aussi énorme! Oh là là! Putain, j'ai battu mon record là, au trempeau. Ouais. Voilà! Que demande la populace? Sinon des pièces et de la souffrance! Alors la maison elle est là, il n'y a pas de trait ennemi. Parfait! C'est parfaitement farfait! Ça va peut-être dû commencer par le cadre. Je vais casser carrément par le truc extérieur. Récupère la fève. Voilà. Ah, mais il y a carrément rien. Il y a juste la fève. Super utilité. Le carapace. Je... Ah, ouh, pépesse. Plein de pépesse. Ouais, avec 900, je peux m'acheter quelques bouquets. Et puis je vais aller voir Grakowitz aussi parce que j'aurai. Maintenant que j'ai. Enfin, je crois que j'ai assez de fèves maintenant. Ouais, j'en ai 105 à mon avis, je pourrais largement acheter ce que je veux. C'est bizarre, mais d'ailleurs, je vais aller voir Grakowitz. Quand je pense que je devais l'affronter dans l'épisode précédent, je raffronterai. Je
peux leur affronter dans l'épisode suivant. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Bon. Allez. Go back home. Voilà, ça reprend la vitesse normale. C'est pas mal. En fait, ça allait un peu vite et le lag a permis que ça aille à la bonne vitesse. Voilà, et on se retrouve dans les sous-sols. Ah, y a pas la deuxième faille. Oui, en même temps, s'il y avait la deuxième faille, je pense qu'elle me mènerait là-haut, donc ça serait un peu con. Voilà. Bon, les Goombas, je pense que je peux les tuer en un coup, alors c'est pas la peine. Ouais, c'est ici, si je me trompe. Je me trompe? C'est là-bas qu'il est, Grakowitz. Bonjour Grakowitz. Je peux pas aller chercher la marque à côté. Bon. Hello. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue chez Grakowitz Fed Badge. Ici, les fèves sont comparables à trésor venu d'une vache faite de joyeux. Que vient avec des fèves en parle des bâches si rares que le moustache relique. Que désirez-vous acheter? Alors. Utilisez des objets sans que votre stock baisse. Ouais. J'espère suivre un combat avec des objets. Des objets pour récupérer ceux de l'ennemi. Augmenter les pièces reçues lors d'un combat avec des objets. Ouais. Ouais, en clair, l'ultra libre est largement mieux. Une perte de puissance. Sans que votre stock baisse. Oh bah, allez, bim! Je le mettrai à lui et il me servira bien pour le boss final celui-là. J'ai des badges superbes, apportez-moi des fèves, oui, des fèves. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert là, ces fèves. Il me semble pas qu'ils utilisent dans vos ancestries. Enfin, ou alors, j'ai complètement oublié son utilité. Hein. Si quelqu'un sait ces fèves servent dans le troisième opus, qu'il le précise. Hein. Qu'il étale sa culture de geek. Point. Non, qu'est-ce que je fais, moi? Go back home. Ok, maintenant le volcan est apparu dans le truc. Alors, reprendre de la vie. On a plus de 100 de vie, c'est pas mal. C'est pas mal. Pensez à utiliser les crossbows pour comprendre la situation. N'oubliez pas, d'accord. Bienvenue au magasin, je pense qu'il souhaitait acheter des objets. Oui. Objet frère. Les carapaces mouches sont là maintenant. Et je coûte quand même un peu la peau du cul, comme vous pouvez le voir. C'est peut-être pour ça que j'ai utilisé Luigi en fait, parce que voilà, maintenant j'ai un petit peu plus de réduit. Tu vois, j'avais 20% au début du jeu, maintenant j'en ai 28. Trampoline, bouquet. Eh ben allez. On va s'en contenter de 5 pour l'instant. Et carapace rouge, on va s'en acheter bah, 3 pour l'instant. Je vais faire un peu de vente. Vendre. Alors, ce dont j'ai plus vraiment besoin. Les carapaces vertes, je pense que je peux en vendre déjà la moitié. Ouais, la moitié, ça ira bien. Les fleurs frères, je m'en garde quand même. Fracasse, ça me sert. Les canons. Les canons, ça par contre, ça se vend bien. Et je m'en sers pas. Absolument pas du tout. Alors, je vais en vendre 30. Je vais en garder 6 au cas où vraiment j'en ai vraiment besoin.
Les fleurs clonées, ça coûte bien cher, je sais pas les utiliser, alors on va en mettre 12, on va en garder 15. Voilà, donc j'ai déjà récupéré 1000. Ah, je peux vendre les trucs que j'avais, mais c'est bien ça. Alors, bleu marque, ouais. Bleu gonflé. Les trois. C'est la vitesse sur le bon. Là, je me fais des thunes. Donne à celui qui porte une apparence plus adulte. Il faudra voir ce que ça fait, ça. Ultra libre. Attends, en plus ils ont pas très bien. Bon bref, on va d'abord voir un peu les objets. Maxi champi, ultra pastille. Non, ça se voit, ça coûte un peu quand même la peau du cul, ultra pastille. Hein. Bon, ça, on va s'en dire, on prend une histoire de faire la seconde somme. Les maxi champi, ça coûte la peau du cul, donc on va garder ça de côté. Les super wine up. Hein, pour l'instant. Alors les objets, on va reprendre un peu des fracasseurs. Les bouquets, je vais en reprendre un peu plus. Ça coûte pas du cul les bouquets, c'est fou. Le fleur cloné, non, même pas la peine. Les trempeaux, enfin, les trois. On va se prendre un peu plus de carapace rouge. Beaucoup plus de carapace rouge. Beaucoup, 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 beaucoup plus. Et voilà. Je pense que ça ira. Je vais me garder un petit peu de monnaie de côté au cas où. Sur les balles, j'ai ce qu'il me faut. Et bien, on retourne dans le. Dans le chiotte. Non, pas dans le chiotte. Dans le. Peut-être une petite sauvegarde. Ça peut toujours être. Ça pris. Que je vais pas à me refaire toute cette phase d'XP. Phase d'XP, n'importe quoi. D'achat. Parce que moi, je ne sais jamais ce que j'ai acheté à chaque fois. Alors... Et on retourne au village des Toads. Alors, quand je te dis bien, ce que j'appelle le village des Toads, c'est le village dans lequel on était. Si c'est tout ce qui fait. Disons que là on a fini le village des Toads. Donc là on va aller vers la colline d'étoiles. Qui pour une fois ben, on va y passer par justement le village. Mais il faudrait disons qu'il y a un petit trajet entre les deux. Hein, qui est un petit peu long. Et un petit peu vicieux. Ah misère. Nous sommes arrivés au pied de la colline d'étoiles. J'aime bien la musique de celle-là. Phonétiquement. Ah. Reste là. Danger, alerte. L'étoile globale est tellement déchaînée qu'elle est difficile à relever contre elle. Nous devons atteindre le sommet le plus vite que possible. Le code de gestion de l'étoile globale se trouve tout ici. Alors, la colline d'étoiles, en fait, elle est séparée en trois parties. Ou... Trois ou quatre, je sais plus. Trois, il me semble. Il y a déjà cette partie pour aller tout là-haut. Ouais, tout là-haut, c'est ça. Alors, il y a le long escalier qui va. C'est l'escalier qui va souvent péter la gueule. Alors là, c'est. Oh, ces ennemis, je les ai toujours détestés. Pourtant, je déteste tous les ennemis qui existent, alors. Ouais, alors on va prendre carapace rouge. On va me la rendre, normalement. Oh, les niveaux sont déjà d'un level. Beaucoup plus haut. Hein. Merde. 107. Putain, oulala. Après, ça fait les pancartes qu'il a, ça fait le même effet. Bon, très bien.
155. Un bouquet. Très bien. Je voulais ma carapace, mais il me donne un bouquet. Je vous montrerai les bouquets peut-être au boss, parce qu'il y a un boss qui suit. Bon, évidemment, hein, faut pas déconner. Il y a deux boss dans ce. Dans cette. Dans la colline étoile. Enfin, à bon souvenir. Il y a deux boss. Et pourquoi je saute les ennemis moi aussi moi, en fait, c'est les réflexes de mon ancienne partie. Ici, j'aimais tellement pas les ennemis que je voulais les éviter. Que, bah, en fait, c'est une bonne source d'XP. Bon, allez, je vais montrer les bouquets. Merde. Ça a peut-être dû. Bon, c'est le même principe que les. Bon, c'est un fail. Alors là, c'est un fail le plus total. Parce que disons que j'ai confondu les. Bowser. Alors, en fait, que j'essaie de me ressouvenir. Appuie sur le bouton du frère qui a la grosse boule de feu. Alors, en fait, faut que je regarde un petit peu de biais parce que les touches que j'ai, elles sont pas pratiques pour ça, en fait. Parce que A, B, X, Y, là, ils sont bien placés pour la console, mais. En effet, écrit. Ok. Alors. Allez, qu'est-ce qu'il me fait? Ah, il a quitté la fesse. Bon, allez, c'est pas. Allez, donc. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal. Et c'est quand même une arme assez surprenante. Enfin, évidemment, c'est pas du tout pratique pour me. Pour un clavier, mais pour un ABXY, c'est très pratique. Franchement, si j'avais une manette, mais je me ferais plaisir d'être sur ce jeu. Bon, l'anti-Kirby. Je jouis, ça s'appelle pas un anti-Kirby, je sais, mais moi, pour moi, ce sera l'anti-Kirby. Quelle délicatesse! Mais pourquoi je shot, moi? Non, peut-être pas gaspiller tous les bouquets. On va utiliser. Nanana, on va utiliser les fleurs. Ouais. Bon, mais allez, c'est parti. Ils vont se régénérer tous les trois? Alors attends. On va expliquer l'intérêt de balancer en l'air, bon. Hein? On veut aller au saut traditionnel, ça économise des items. C'est peut-être un peu plus long, mais voilà. Bon, ça va trop tôt. Mais pour. Non mais. C'est parti, connerie! Et hop là! Bon, allez, si tu veux. Tant que tu me donnes de l'XP. Et là, on a carrément dépassé les 20 000 pour les grands. Quand je pense qu'on a passé les 10 000, ben on était au volcan fond quand même. On était au tout début du volcan fond. Pour vous dire à quel point on gagne de l'XP en ce moment. Bim! Bim! Troll quack? Bon. Pile capote. Allez, on va faire fracasseuf. Thank you.
Mais arrête de la régène, putain. Une endométriose montreuse, c'est... C'est chiant. Non mais... Ça y est, c'est la fête, hein. Quoi. Allez, normalement, voilà, un bébé suffit. 300. Et j'ai dépassé les 20 000 pour les bébés. So much XP. Bon, là, on avance pas beaucoup, là, on va dire. Oh putain, les masques. Alors là, c'est la phase la plus chiante, parce qu'en fait, la route s'arrête. Il va falloir la continuer avec les bébés. Enfin, si je me souviens bien. Ouais, ah oui, c'est ça. Il va falloir les aplatir. Et oui. Donc là, je vais les mettre sur le... Sur le truc, le volateur, là. Voilà. Alors là, il y a plein de petits items partout. Même pas. Même pas. Hein, quoi? Pourquoi? Pourquoi? Je ne comprends pas là, je ne pas comprendre. Ouh là là, que ça lag. Ah, les mettre sur le propulseur, ensuite on récupère eux. Bon, ben, il fallait juste les amener là-bas. Ouais, faut juste qu'ils se... Voilà, on arrive là. Donc là, on rappelle les grands. Alors, j'aimerais bien l'attaquer, celui-là, mais mon problème, c'est qu'il est trop haut. Hein. Gauche, qu'est-ce qu'il y a... Ah ouais, mais on peut monter de deux côtés, c'est vrai. Des bouquets, c'est génial. Je me demande en fait si j'aurais peut-être pas dû XP un peu parce que voilà, là on arrive sur une phase. Très chiante. Un bon souvenir. Hein. On va arriver sur un boss en fait, je pense que j'aurais pas le temps. C'est ce que je crains surtout. Là j'aurais clairement pas le temps parce que je me souviens quand même. Ah, disons que les longs. Les longs. Les boss peuvent varier entre... Entre... je sais pas trop... Surtout... ils peuvent être longs. Voilà, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ça. Ils peuvent être longs. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais retourner aller faire les ennemis que j'ai voulu volontairement esquiver. Super, super malin. Et je vais les affronter. Pour me faire un peu d'XP avant le boss. Et le boss, ben, ce sera pour la semaine prochaine. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Bon, il faut que je me fasse attaquer. Attaque-moi. Attaque-moi, vas-y. Bon. Ouh. Lui, il a mangé cher. On va peut-être se faire carrément un fracasseur. Alors, se faire normal, j'ai pas envie de perdre du temps. Hein. Souffrir. Ouh, souffrir.
Allez. Zombie. Non, oh là là. Oh oui, je saute sur une hélice et je suis entier. Putain, et comment je sais à qui il envoie? Aïe. Aïe. Oula. Oulala. Oulalalalalala. Oulala. Quelle catastrophe. J'ai 100 points de vie, que je peux m'en ramener 50. Bon, alors. Je réitère. Tu sais, ces deux écrans, c'est assez. Oh putain, qu'est-ce que c'est que cette merde? Soigner. Oh, oh. C'était juste. Allez, parfait. Parfaitement parfait. C'est long quand même. En fait, j'ai fait une connerie. Je viens de m'en rendre compte. Bon, c'est parfait, moi, il se fait quand même. J'ai fait une connerie, en fait, c'est que. Le problème, c'est que je ne peux pas redescendre. Parce qu'il n'y a que les bébés qui peuvent redescendre, et les bébés, bah, ils s'y sont attaqués, bah, ils s'attaquent tout seuls. J'ai jamais augmenté sa moustache, lui. 6. 6. Parfait. Cinq. Oui. J'augmente son attaque la prochaine fois. Parce que l'attaque est quand même assez... assez à chier, en fait. Bon. Eh ben, j'aurais fait une bonne partie, hein. Ça m'aura bien, ouais, ça m'aura bien. On n'aura pas avancé de beaucoup, mais disons que j'ai pris un peu mon temps aussi pour aller rechercher des affaires, donc... promis, pour le prochain, vous aurez du boss, des énigmes, des ennemis chiants, et du picabou. J'espère. T'as intérêt de faire du picabou, mon petit Baby Mario. Bon, je vais pas en haut, parce que justement, il y a le boss en haut. C'est l'endroit là, est prévu justement pour... voilà. Donc je voilà, merci d'avoir regardé. Donc je vais juste un petit peu. Un chemin étoilé s'ouvre devant vous, devant alors que vous quittez le village de Todd, gravissez la colline étoile et guidez le mystère de l'étoile Cobalt. Alors tout que je une petite anecdote pour finir. Alors là, attends, je suis en train de m'étouffer. On est d'accord, là c'est la colline étoile. Alors pourquoi? Là, on voit toute la colline étoile. Alors, pourquoi il y a encore des... On va aller dans un temple. D'où il sort? Vous savez qu'ils l'ont planqué. Il tient en l'air. Bref, hein, vous verrez bien. Normalement, je pense que ça sera... Peut-être pas l'épisode suivant, mais l'épisode d'après. On devrait arriver au temple et... Alors, là, le boss du temple, qui est un... Enfin, disons qu'on a déjà eu la version jeune de ce boss, mais la version vieille, oulala, qu'elle est chiante. Et puis voilà. Et puis on va voir les mystères de cette étoile cobalt. Pourquoi l'étoile cobalt réagit-elle comme ça? Pourquoi? Je sais pas, enfin. Posez-vous vos propres questions, et puis merde. Merci d'avoir regardé cet épisode, et à la prochaine semaine. Ciao, ciao.